Bonsoir. Pour clôturer cette journée de l'Université de la Terre et de la Cité de la Réussite en même temps, Cité de la Réussite a invité toute la journée l'Université de la Terre à parler de la responsabilité par rapport à la nature. Donc nous clôturons ce soir de la responsabilité par rapport à l'homme et son évolution, après avoir parlé de la responsabilité de la nature que nous laisserons à nos enfants, de la nature que nous, en tant qu'êtres humains, nous voulons conserver pour nous construire, et de la nature avec toute sa biodiversité et ses limites. Donc ce soir, dernier débat, et je vous rappelle à tous ceux qui viennent à l'Université de la Terre que nous reprendrons nos débats le 31 mars à l'UNESCO, et j'espère, et nous parlerons cette fois-ci des énergies. Bonsoir. Donc, c'est moi qui vais faire modérateur, lourde charge pour la soirée. Mon nom est Eric Glover. Je travaille dans un hebdomadaire qui s'appelle Courrier International. J'ai été journaliste scientifique un certain temps. Et je vais donc appeler. Bon, je vais d'abord présenter légèrement peut-être le débat. Donc, l'intitulé exact, je ne l'ai pas appris par cœur, donc je vais le lire bêtement. C'est De Cro-Magnon à l'homme symbiotique, l'humanité est-elle responsable de son évolution ? Alors, le mot évolution, ça vient d'évoluer, ça veut dire dérouler. Il y a un lien avec le verbe latin voltere, rouler. Et le mot responsable, eh bien, ça a un pour sens, et je pense que ces deux mots sont liés, donc c'est pour ça que j'en rappelle l'étymologie. Responsable, c'est celui qui doit faire face aux conséquences de ses actes. Alors, est-ce que l'humanité est prête à faire face aux conséquences de ses actes ? J'espère que les trois personnes que je vais maintenant appeler pourront répondre à cette question. Donc, je vais commencer par appeler Joël de Rauné. Donc, Joël de Rauné est biologiste. Il est biologiste. Bon, il a fait un certain nombre de choses, deux livres qui sont assez connus. L'un, Macroscope, qui avait fait date à son temps, et L'homme symbiotique, que vous retrouvez dans l'intitulé de ce débat. Il est biologiste. Je vais appeler ensuite Étienne Klein. Étienne Klein est physicien. Parmi certains d'autres ouvrages, il a écrit La tactique ou Les tactiques de Cronos et Il était sept fois la révolution, Einstein et les autres. Et j'appelle en dernier lieu Pascal Pic. Pascal Pic est paléoanthropologue. C'est un spécialiste des grands singes, entre autres. Et deux ouvrages que l'on peut citer de lui, c'est Qu'est-ce que l'humain, qu'il a écrit avec Michel Serres et Jean-Didier Vincent, et La nouvelle histoire de l'homme. Donc, pour lancer un peu ce débat, je vais juste avoir un échange avec les invités ici pour qu'ils plantent un peu un décor. Et moi, quand j'ai lu ce sujet, mon premier réflexe, ça a été de penser à la médecine. Ça a été de me dire immédiatement, ben oui, bien sûr, l'homme, en tout cas, a une maîtrise de son évolution.
puisque normalement la sélection naturelle devrait éliminer entre autres les plus faibles, et qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, les plus faibles sont protégés et donc ne subissent plus cette sélection. Alors peut-être que ce premier réflexe était totalement erroné, je ne sais pas, je n'ai pas suffisamment pris le temps de la réflexion pour ça, ou je n'avais peut-être pas tous les éléments, mais je vais en tout cas demander à Joël Leroné de peut-être amorcer une réponse avec cet aspect médical. Une réponse, j'en suis pas sûr, mais en tout cas, la médecine, on le sait, a fait faire à l'humanité des progrès extraordinaires, notamment dans l'amélioration des conditions de vie, mais aussi la prolongation de la durée de vie. Je ne sais pas si vous le savez, mais on gagne un an d'espérance de vie tous les 4 ans. Alors ça pose des problèmes politiques, économiques, sociaux, d'avoir des seniors en bonne forme, et on voit en ce moment tous les efforts qui sont faits pour les aider à trouver du sens à leur vie, à travailler. Mais la médecine aussi, il faut le dire, c'est le sujet un peu de ce débat de ce soir, et on attend vos questions avec impatience, elle peut aussi aller trop loin. Je prends comme exemple ce que j'appellerais l'homme réparé, l'homme transformé ou l'homme augmenté. L'homme réparé, on est tous d'accord. La chirurgie, réparer les os, après tout, bon, c'est de la réparation technique, mécanique, la plomberie, si vous permettez cette expression, c'est peut-être un peu dépassé, mais on est d'accord, sur un plan éthique. L'homme transformé, c'est déjà autre chose. Ça veut dire que là, la médecine, la chirurgie, va intervenir pour implanter dans le corps soit un régulateur cardiaque, soit une pompe à insuline, soit un système pour empêcher les tremblements, vous savez, chez les parkinsoniens. Et là, on introduit dans le corps, on en parlera bien entendu tout à l'heure avec peut-être les nanotechnologies ou la bioélectronique, on introduit dans le corps des choses de l'extérieur. Et donc là, l'être humain est plus tout à fait, son identité n'est plus la même. Et alors l'homme augmenté, ça pose un vrai problème éthique, parce que on va vers cette notion de surhomme, on pourrait se rajouter des mémoires plus grandes, voire dans l'infrarouge pour les permettre aux soldats de ne pas avoir ses lunettes de visée infrarouge, etc. C'est possible. Est-ce que l'homme va accepter ? Je vous coupe, mais non seulement c'est possible, mais il semble que ça se fasse beaucoup aujourd'hui dans le sport, par exemple. Ça se fait dans le sport, avec le dopage, bien entendu, l'homme augmenté, mais là, je parle d'une augmentation qui est plus que chimique, une augmentation par implantation, et ça pose des vraies problèmes éthiques, parce que ça pose la question entre l'homme et le surhomme. Le dernier point que je voudrais essayer d'évoquer aussi, c'est que, c'est quoi l'homme symbiotique ? C'est un peu le thème, le sujet qui vous a été un peu imposé, de Cro-Magnon à l'homme symbiotique, c'est quand même assez un peu prétentieux quand même. L'homme symbiotique, je l'ai dans mon livre essayé d'expliquer que l'évolution technologique a consisté d'abord à une extériorisation de nos sens. La télévision, c'est la vision à distance, la radio, c'est l'audition à distance, l'automobile donne, et l'avion des ailes et les roues nous permettent d'aller plus vite, les ascenseurs. Et puis, on a vu arriver des outils technologiques beaucoup plus petits, le téléphone portable, le navigateur sous GPS, la Wi-Fi qui permet de communiquer sans fil. Et la caractéristique, c'est que ces outils s'intègrent entre eux. Ils s'intègrent entre eux en donnant une espèce de nouvelle couche, un nouveau tissu, pour parler comme les biologistes, un nouveau tissu biologiste, peut-être même une forme d'organisation. Et la symbiose, c'est finalement la relation complémentaire entre deux entités différentes, dont le tout, la somme, est plus que l'addition des deux parties. Et l'homme symbiotique, pour moi, c'est pas un cyborg avec des électrodes partout, c'est quelqu'un qui redevient complètement humain, grâce justement à cette possibilité, mais aussi les enjeux et les risques, évidemment, de connexion à l'échelle du monde, notamment par les réseaux, et cette possibilité d'utiliser des machines intelligentes à son service. Pour moi, donc, c'est une technologie humaniste que je prône. C'est et l'homme dans tout ça, après cette évolution technologique, s'il reprend en main sa propre évolution, vers quoi veut-il tendre, vers quoi veut-il aller ? C'est ce que j'ai essayé de dire dans l'homme symbiotique. D'accord. Et est-ce que le physicien qui est Étienne Klein pense réellement que la physique peut permettre une extension du biologique comme ça ? Est-ce que réellement les nanotechnologies, par exemple, qui sont aujourd'hui une connexion d'échelle, en tout cas, entre physique et biologie, est-ce que c'est un avenir ou est-ce que c'est un danger ? Ou est-ce qu'il n'y a pas de réponse encore ? Bon, moi, je ne suis pas compétent sur le sujet de la soirée. Donc, la physique, sur l'évolution, n'a pas grand-chose à dire, même s'il est vrai, la physique et la biologie ont maintenant des relations beaucoup plus fortes qu'auparavant. Pensez, par exemple, aux techniques d'imagerie, par exemple, avec des champs magnétiques très intenses qui permettent de voir le cerveau fonctionner. Je ne dis pas voir le cerveau penser, mais au moins voir l'activité cérébrale. Donc, la physique et la biologie, dans cette affaire, ont partie liée. Mais la question que je me pose, s'agissant de l'évolution, c'est de me demander si, finalement, nous sommes encore les pilotes de l'évolution que produit sur nous l'augmentation de la puissance et du nombre des technologies.
Autrement dit, si on reprend le projet des Lumières, le projet qui a été à l'origine de cette doctrine du progrès telle qu'elle a été notamment pensée au XIXe siècle, c'est l'idée que les progrès scientifiques enclenchent des progrès techniques qui eux-mêmes enclenchent un progrès matériel et par un embrayage assez subtil vont eux-mêmes entraîner un progrès moral. Et social. Et social. Et on cite très souvent Descartes qui dit il faut être comme maître et possesseur de la nature et non pas maître et possesseur. Dans beaucoup de bouquins, j'ai vu que le comme avait sauté, c'est comme maître et possesseur de la nature, comme si la maîtrise de la nature était une fin en soi. Or, il faut lire Descartes jusqu'au bout, qui dit que cette maîtrise de la nature n'est qu'un moyen pour une finalité qui est extérieure à ce projet lui-même, et la finalité de la maîtrise de la nature, ou du corps, si on inclut la médecine dans les sciences, eh bien, c'est le bonheur et la liberté. Et donc, on est les héritiers de Descartes, et en même temps, d'une certaine façon, on l'a trahi, puisque la finalité s'est quelque peu perdue en cours de route. Alors Heidegger a fait une critique de la technique dans laquelle il argumente subtilement cette évolution en invoquant Nietzsche et la volonté de puissance, etc. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le projet scientifique s'est définalisé, c'est-à-dire qu'il faut innover pour innover, parce que si on n'innove pas, on meurt quand on est une entreprise ou un laboratoire de recherche. Il faut donc être excellent. Et le fait de parler de l'excellence, c'est une façon subtile de dire que le but, c'est l'excellence, sans qu'on soit capable de dire quel est le but visé par cette excellence. Autrement dit, il y aura des progrès technologiques de tous ordres, mais il y a deux questions qui, à mon avis, se posent. D'abord, est-ce qu'on le maîtrisera ? Est-ce que le futur qu'il sera capable de nous proposer sera conforme à nos attentes ? Et puis, est-ce que le progrès technologique, et là aussi il y a une déception par rapport aux espoirs des Lumières, n'entraîne pas avec lui-même, de façon presque mécanique, des inégalités. Autrement dit, il y a une médecine dont la puissance, comme l'a dit Joël de René, est considérable, va augmenter sans doute, il y aura des hommes arrangés, des hommes augmentés, etc. Mais combien ? Et puis même des hommes sélectionnés aujourd'hui, puisque on peut par diagnostic prénatal plus ou moins savoir, sans précision totale, mais plus ou moins aujourd'hui faire une pression de sélection ? Voilà, alors à mon avis, la question qui résume un peu tous les problèmes que j'essaie d'évoquer, c'est la question de l'universel. Au siècle des Lumières, la dimension universelle du progrès spatial et temporel, c'est-à-dire le progrès doit se répandre sur la planète et dans le temps pour que les générations futures en bénéficient et disposent de conditions de vie meilleures, c'est la question de l'universel qui est posée. Et ça ne concerne pas que la médecine, ça concerne aussi l'énergie. Vous savez que si les 6 milliards d'habitants de cette planète consommaient comme nous consommons, c'est-à-dire 80 milliards de joules par an pour se chauffer, se déplacer et se nourrir. Il faut trois planètes. La planète explose. Et même si on le pouvait du point de vue des ressources naturelles, notre atmosphère terrestre ne le supporterait pas pour les raisons que vous connaissez bien. Donc c'est cette question de l'universel qui m'intéresse dans ce qu'on va discuter. D'accord. Et est-ce que le paléoanthropologue que vous êtes, Pascal Pic, est lui aussi attaché à l'universel, au progrès, ou est-ce qu'il n'a pas le sentiment que finalement les singes qui ont progressé ne sont pas si ratés que ça ? Oui, alors je suis troublé parce que d'habitude, comme je suis le paléanthropologue de service, je parle toujours en premier. Et là, je m'aperçois d'un coup, je suis vraiment un homme du passé. Donc, oui, bien sûr, parce que la notion d'origine, la façon dont on voit le passé est directement liée, comme vous le savez, à la façon dont nous percevons le présent et la façon dont nous essayons d'envisager l'avenir. Alors, la question posée de Cro-Magnon à l'homme symbiotique, l'humanité est-elle responsable de son évolution ? Moi, j'ai beaucoup aimé ce titre parce que d'abord, ça pose des questions importantes qu'il faut et des concepts qu'il faut repréciser. Évolution, tout le monde en parle, mais très peu de personnes, pardonnez-moi, sait ce qu'est l'évolution. L'évolution, c'est une théorie du changement dans la nature qui émerge tout doucement au début du 19e siècle et qui, depuis, n'a pas cessé d'évoluer, bien sûr. Or, aujourd'hui, comme vous le savez, cette théorie de l'évolution, avec le diable, qui s'appelle Darwin, n'a jamais été contestée comme auparavant. Jamais. Que ce soit aux États-Unis, mais aussi en France et dans les grands pays industriels. Donc l'évolution, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, Eric, la sélection naturelle.
La sélection naturelle, ça ne consiste pas à dire « je suis plus fort que toi, je prends ta place et je prends ce qui était à toi ». Ce n'est pas ça la sélection naturelle. Ça, c'est la vision politique idéologisée qui est reprise à la fois par la droite et la gauche, notamment en France. Parce qu'en France, il est de bon ton de critiquer Darwin sans l'avoir compris. Non, la sélection naturelle, et non, en plein cœur du sujet, je ne vous fais pas un cours, ça veut dire que certains individus vont plus se reproduire que d'autres. C'est tout. Et qu'est-ce qui fait que certains individus vont se reproduire plus que d'autres ? C'est parce que tout à l'heure, si je traverse la rue, enfin ça y est, mon succès reproducteur, vu mon âge, est assuré. Mais il y en a beaucoup qui sont plus jeunes que moi ici. Si vous ne faites pas gaffe en traversant la rue, vous ferez écraser. Donc vous ne pourrez pas vous reproduire. Ce n'est pas la faute à Darwin, nom d'une pipe. Mais c'est aussi la compétition sexuelle. Si vous êtes un homme, il y a une femme qui vous plaît, puis si, ou à l'inverse, si vous avez des concurrents, là, il va falloir se battre un petit peu quand même. Hein. Bon, la sélection naturelle, c'est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Et il est vrai qu'on est un petit peu désarçonné par rapport à ces visions un peu étroites. Alors, on est dans le cœur du sujet parce que la question est, l'humanité était responsable de son évolution. Soyons très clairs, l'évolution de l'homme s'inscrit dans l'évolution de la biodiversité et de la vie, et nous faisons partie de ce monde du vivant. La chose étant, et notamment depuis, comme l'a dit Étienne, depuis la Renaissance, l'Occident a eu ce tour de force à travers les sciences, la connaissance et la recherche et les technologies, de développer une puissance comme jamais auparavant. Mais maintenant, est-ce que les activités humaines n'ont jamais intervenu au cours de notre évolution ? Eh bien, tout le temps. Tout le temps. Et c'est bien avant Cro-Magnon. Je vais très vite. Lorsque des hommes commencent à maîtriser le feu, on les appelle Homo erectus, pour faire simple, vers 700 000 ans, enfin, ils utilisaient le feu depuis plus longtemps, mais ils le maîtrisent, la cuisson. Eh bien, on appelle ça la coévolution, c'est-à-dire que nos activités culturelles, c'est-à-dire à travers l'outil de pierre taillée, la préparation des nourritures, leur cuisson, etc., vont faire qu'on va améliorer d'une manière considérable la physiologie de la mastication et de la digestion, et le cerveau va devenir très gros. C'est-à-dire qu'en fait, si nos ancêtres Homo habilis, pour faire simple, n'avaient pas inventé la cuisson, nous n'aurions pas eu le gros cerveau. Donc on appelle ça la coévolution, c'est-à-dire comment interagissent les phénomènes liés aux interactions entre nos innovations culturelles et techniques et notre évolution. Vous voyez, donc il n'y a pas que l'homme biotique, c'est depuis... Mais là, à l'époque, ce n'était pas conscient. Donc l'homme n'était pas responsable, puisqu'il n'était pas conscient. On est responsable à partir du moment où on est conscient, bien sûr. Et tout ceci va entraîner aussi une autre coévolution. Il y a deux termes de coévolution qui sont un petit peu confondus chez nous. Il y a celle que je viens d'évoquer et qui va nous intéresser pour l'homme du futur par rapport donc aux technologies et améliorer l'homme, ou le transformer. Mais la coévolution, ça veut dire aussi que nous sommes avec les autres espèces. C'est-à-dire cette vision traditionnelle que nous avons de croire que seul l'homme a évolué et que les singes n'ont pas évolué. Bah, des gens, des fois, me disent dans mes conférences, « Dites-moi, monsieur Pic, pourquoi les singes n'ont pas évolué ?» Ricanement des babouins dans les savanes. Donc, toutes les espèces actuelles sont récentes. Je vous dis ça parce que c'est important. On ne peut pas évoluer seul. Une espèce qui est toute seule disparaît. Or, ce que nous sommes en train de faire à l'heure actuelle, c'est la deuxième coévolution, et ça concerne évidemment deux aspects de la question qui sont ici. Alors, on peut peut-être en traiter qu'un, hein, donc je vous laisse ça à votre direction des débats. Mais, soyons très clairs, la responsabilité de notre évolution, c'est aussi par rapport à la biodiversité, bref, le développement durable et toutes ces problématiques. Ce n'était pas le sujet de ce soir. Et l'autre coévolution qui est liée, bien sûr, qui est importante, c'est celle, et j'insiste, interaction entre technologie et donc les effets sur notre évolution biologique. La deuxième grande révolution, et je vais m'arrêter là, ça a été le néolithique. Le néolithique, donc, c'était l'invention de l'agriculture. Tout ce que vous avez appris à l'école, c'était quoi ? C'est qu'à l'époque, il y avait certainement des problèmes, donc il a fallu les résoudre. Il y avait trop de gens, il a fallu nourrir plus de bouches. Donc, les gars, ils ont fait une cité de la réussite à l'époque, et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait ? Tiens, on invente l'agriculture. On a tous appris ça. Non. Les hommes, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ils changent avant tout en modifiant leur représentation du monde. C'est-à-dire que le néolithique a d'abord été une révolution cognitive et culturelle avant d'être une révolution qui a amené l'agriculture. C'est fondamental. Nous avançons par nos idées et nos représentations du monde. Ça, il faut bien le rappeler. Mais le néolithique a eu un rôle important sur notre évolution biologique. Parce que je peux vous dire, aujourd'hui, ça va très bien, on mange tous du fromage, ça va très bien. Pour le lait cru, ça ne va pas être la bonne nouvelle pour tout le monde, notamment moi, en l'occurrence. Mais ça va très loin, parce que nous avons eu une sélection qui a été
effectuée sur les populations humaines, qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des populations, dont toutes les personnes qui sont ici, issues du bassin méditerranéen et du Proche-Orient, à la fois génétiquement, par l'histoire et puis la tradition, eh bien, supportent des aliments parfois avec du lait cru, alors que d'autres populations, et c'était un des gros problèmes à une époque, on a envoyé du lait en Afrique, les gamins sont morts encore plus vite. Donc, il y a nos propres productions agricoles ont joué un rôle important sur notre évolution biologique. L'évolution de la grippe, etc., etc., ça joue un rôle. Et quand les Espagnols sont allés en Amérique du Nord, eh bien, vous savez ce que ça a donné en Amérique centrale. C'est-à-dire que nous avions des milliers d'années d'évolution avec la grippe à cause du poulet et du cochon sur toute l'Eurasie que n'avaient pas les peuples d'Amérique. Donc, ils n'ont pas eu cette évolution-là et ils ont été décimés. Bon, les Espagnols ont mis un peu de zèle aussi. Mais enfin, bon, les virus ont mis plus de temps. Donc, vous voyez, l'évolution, c'est tout le temps. La coévolution, c'est tout le temps. Et par rapport aux questions qui sont posées, je m'arrêterai là pour en ce qui me concerne. Bien sûr, moi je suis intéressé par cela parce que j'essaie de regarder l'avenir. Et ce qu'a dit Étienne Klein, j'y souscris complètement. Parce que dans les questions, les excellentes questions qu'ont posées les étudiants donc, pour préparer ce débat, il est dit, est-ce que l'homme transformé, les biotechnologies, l'homme bionique, etc., ça va jouer sur notre évolution? J'ai dit attention, en tant qu'individu. Mais même moi, si on me transforme pour me rajeunir, me faire plus beau, etc., etc., si je continue à me reproduire, ben je ne vais pas transmettre ces caractères aux générations suivantes. Donc il n'y aura pas évolution au sens biologique du terme, puisque toutes les modifications que j'aurai ne passeront pas dans mes gènes et ne seront pas transmises. Donc il s'agit en effet de, non pas d'évolution, mais de confort, comme l'a très bien dit tout à l'heure Joël de René, mais évidemment qui va affecter notre vision du monde, bien évidemment. Et c'est là aussi que ça va jouer sur notre évolution. Mais les nouvelles technologies nous permettent de faire des choses merveilleuses, mais les nouvelles technologies, eh bien, qu'est-ce qu'elles font aussi? Elles permettent à des jeunes gens et des jeunes femmes qui sont dans des pays déshérités de savoir ce que nous faisons chez nous. Et donc, par conséquent, l'universalité se pose là, c'est-à-dire l'évolution, ça sera évidemment pour toute l'espèce. Bien, ben écoutez. Je crois que le débat est clairement opposé entre l'universel d'Étienne Klein, la biodiversité qui le rejoint avec Pascal Pic, et l'interaction entre l'humain et les technologies qui revient vers Joël de Ronet et Pascal Pic également. Les ponts sont là et je vais donc donner la parole au panel pour savoir un peu ce que leur inspirent ces commentaires et quelles questions ils voudraient poser. Bien, bonjour, Alexandre Brandus, étudiant à Supélec. Je suis le seul représentant du panel. Malheureusement, les autres n'ont pas pu venir. Donc, alors, on avait établi une liste de questions dont certaines ont déjà obtenu une réponse à partir de cette introduction. Mais peut-être il serait bon de préciser un petit peu ce qui a été dit, notamment concernant les deux premières questions qu'on avait établies, à savoir, peut-on dire que l'évolution de l'homme est passée de la responsabilité de la nature à celle de l'homme lui-même? C'est-à-dire, y a-t-il eu un déplacement de responsabilité au niveau biologique et au niveau génétique? Et si oui, est-ce qu'il est possible de déterminer à quel moment de l'histoire de l'évolution de l'homme ce changement s'est opéré? Bon, qui est-ce qui voudrait répondre ça, parce qu'il y a la seconde aussi, je ne sais pas, qui, elle est très liée, qui est... Est-il possible de déterminer à quel moment? C'est ça ce que vous avez dit, l'histoire de l'homme est devenue active par rapport à l'évolution biologique. Il y a un élément, un mot très fort que j'avais trouvé dans un livre de Vercors qui s'appelait « Les animaux dénaturés ». L'homme est un animal dénaturé, en ce sens que l'animal et la nature font un et nous, nous faisons deux. L'homme est conscient de sa conscience, il a une conscience au carré. Et donc, il est capable de penser dans sa tête des choses qui n'existent pas dans la nature et qu'il va inventer. Et c'est cette évolution qui fait cette accélération qui est tout à fait caractéristique de ce que nous vivons. En deux mots, je pense qu'il y a trois grandes étapes que sûrement Pascal reprendra, et peut-être Étienne aussi, mais les étapes de l'évolution biologique, de l'évolution technologique et ce que j'appellerais aujourd'hui l'évolution numérique. L'accélération est prodigieuse. Elles ne sont pas l'une au bout de l'autre. Elles sont en parallèle. L'évolution biologique a mis des millions d'années. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme de sélection naturelle, d'essais, d'erreurs. Les espèces les plus favorisées dans un environnement donné qui vont se reproduire le mieux continuent à transmettre leur ADN. Et ainsi, une fourmi, ça marche. Une abeille, ça continue. Il y en a qui ne marchent pas et ils s'arrêtent. Sauf qu'arrive au bout de cette évolution l'être humain avec son cerveau, et là rentre une autre évolution, l'évolution technologique, beaucoup plus courte, pas des millions d'années mais des siècles,
parce que l'homme est capable d'inventer dans sa tête un crayon, une roue, et de l'imaginer, de l'inventer, de la tester, de faire un prototype. Et donc, il y a une espèce d'effet cumulatif, d'accélération. Et ensuite, on rentre dans l'évolution dite numérique, qui s'accélère encore plus, qui n'est plus en siècles, mais en décennies. Pourquoi ? Parce que non seulement on peut inventer dans sa tête quelque chose, mais on peut le partager avec les autres. Par les réseaux Internet, par la réalité virtuelle, on peut construire un engrenage qui s'engraine avec un engrenage qui est au Japon. Et donc, à ce moment-là, il y a encore une accélération prodigieuse qui rend encore plus difficile le pilotage de cette évolution par l'homme. Et enfin, le dernier point que je voudrais ajouter par rapport à cette intéressante question, à quel moment on était dans la nature, on devient hors de la nature, mais tout en y étant quand même, et on dépend d'elle, d'où l'importance évidemment du développement durable, c'est la différence qu'il y a entre mutation et invention. En fait, il y a des différences, évidemment. L'invention, c'est dans une tête, la mutation, c'est au hasard, si on peut dire, dans l'ADN. La mutation, c'est un changement dans un générateur aléatoire de diversité. C'est un peu un grand mot. Ce générateur aléatoire de diversité s'appelle la molécule d'ADN. Il y a des changements qui se produisent, ça aboutit à une mutation mortelle, et cet être vivant va disparaître avec sa réserve d'ADN. D'un autre cas, ça améliore quelque chose. La fameuse histoire de Darwin, le bec des oiseaux plus pointu leur permet d'aller chercher les vers dans les trous du bois, et ils survivent. Donc la mutation va conduire à soit une amplification de cet élément dans une population qui lutte dans un environnement donné, ou à la disparition d'un élément avec ses gènes. Eh bien, une invention. Prenez le cas maintenant non plus de l'écosphère, mais de la cybersphère, tiens, pour parler d'Internet ou du cyberespace. Vous avez des inventeurs qui inventent des logiciels, qui les distribuent sur le net, comme une espèce d'écosystème informationnel, si vous voulez. Il y a des gens qui les testent, ça s'appelle d'ailleurs des bêta-testeurs, ça marche ou ça marche pas, il y en a qui l'amplifient, ils le recopient, comme une reproduction, on recopie, on a un disque dur, on a des logiciels de recopiage, on le recopie, et ça mute, on le change, on l'évolue, Linux, il y a des gens qui le changent, et soit ça disparaît parce que ça marche pas, soit ça marche, et soit le marché, soit le buzz, comme on dit, l'amplifie. Donc si vous voulez, il faut bien comprendre que ces phénomènes d'évolution dont parlait très bien Pascal tout à l'heure, c'est en fait une évolution généralisée, c'est-à-dire de l'évolution chimique des premiers atomes aux premières cellules, des premières cellules aux humains, des humains à la société complexe dont il parlait par coévolution, où l'évolution se fait plus seulement sur le plan biologique, mais accélérée par l'évolution technologique, par la médiasphère, par la cybersphère, par la rencontre de tous ces thèmes les uns avec les autres, eh bien, il y a une espèce d'accélération tellement prodigieuse qu'on peut se poser la question de où on va. Qu'est-ce que l'homme veut faire de cette évolution ? Quel est le pilotage du pilotage ? La gouvernance de ce mécanisme qui s'emballe sur lui-même ? La technoscience va trop vite. Avons-nous la raison suffisante pour savoir où nous voulons aller ? Alors moi, je rebondirai un peu dessus pour donner la parole à Pascal Pic, parce que si j'ai bien compris son propos, il n'est pas seulement de savoir où nous pouvons aller, mais est-ce que nous avons une mentalité aujourd'hui ? Est-ce que nous avons un cadre intellectuel nous permettant de réagir à cette nouveauté, à cette révolution numérique ? Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que d'abord, la question qui était formulée, c'est l'homme, auparavant, l'homme est passé de la responsabilité de la nature à celle de l'homme lui-même. Or, c'est intéressant comme question, parce que la nature n'a strictement aucune responsabilité. La nature n'a aucun projet. Il n'y a aucune loi de l'évolution. C'est pour ça que ça agace tellement les scientifiques positivistes l'évolution. Parce que l'évolution n'a pas de loi. On a toujours voulu faire des lois, mais il n'y en a pas. Donc c'est un système, c'est contingent, et ça c'est assez difficile à comprendre pour pas mal d'entre nous. On est très mal à l'aise par cette absence de finalité. Par contre, en effet, l'homme aujourd'hui, il a une responsabilité par rapport à cela, et c'est toute cette prise de conscience. Or, curieusement, on s'aperçoit que ceci est extrêmement récent. Pendant longtemps, depuis les grands philosophes grecs, mais les autres civilisations, on a entretenu un rapport souvent assez hostile avec la nature. Mais ce n'est pas toute la culture humaine, hein, soyons très clairs. Hein. Mais beaucoup de grandes civilisations ont entretenu l'homme, par ses techniques, par son isolement dans les cités, ça a toujours été le moyen de mieux prévoir ses récoltes, de combattre effectivement la nature. Donc la nature vue comme hostile, les maladies aussi, on a parlé de la médecine, etc. Et en fait, on est en train de comprendre depuis très peu de temps, ça peut vous surprendre, mais c'est vraiment la modernité qui est en jeu à l'heure actuelle, ce qu'est vraiment l'évolution, en ce sens où ça va, de toute manière, ça changera. Et aujourd'hui, on assiste à une réaction partout dans le monde, ça peut vous surprendre, j'en discutais avec une amie tout à l'heure, où les théories de l'évolution
sous le nom Darwin, mais bon, Darwin n'a pas tout dit, hein, ça a beaucoup changé, les théories de l'évolution, eh bien, on conteste là cet aspect contingent et quasiment presque imprévisible. Alors ça, ça nous met mal à l'aise, parce qu'effectivement, nous avons d'un côté une nature qui n'a pas de responsabilité, et nous, nous serions responsables vis-à-vis de la nature. Alors, là, mais ça, c'est notre... une précision, hein, c'était la théorie du dessin intelligent qui est une des grandes autres, théories qui aujourd'hui existe aux États-Unis pour essayer de finaliser quelque part l'évolution, je le résume. Mais c'est surtout qu'en Europe, elle n'avait pas eu encore de reconnaissance officielle. Ça vient d'arriver, c'est-à-dire que vous avez un gouvernement, qui est le gouvernement polonais en l'occurrence, qui l'a proposé, il y a de cela une quinzaine de jours, comme devenant une théorie qui pouvait être discutée et qui pouvait ou devait être enseignée dans un cadre scolaire ou universitaire. Bah, là, il est de bon ton de se moquer des Américains, mais au moins l'avantage des Américains, c'est qu'ils sont clairs et ils le disent des choses. Chez nous, il y a l'intelligence, il y a du dessin intelligent, je suis désolé de le dire, soutenu par les plus grandes institutions. Oui, mais pas par l'État encore. Oui, mais attendez, ils avancent bien, ils sont bien organisés. Et la chose est, non, mais il faut le dire, parce qu'on voit la paille dans l'œil des Américains, mais nous, on a une grosse poudre. Non, non, moi, je ne parle pas des États-Unis, mais je fais juste remarquer que, justement, on a longtemps pensé que ça n'était qu'aux États-Unis, mais c'est, et ça vient d'arriver pas... officiellement en Europe. Maintenant, en France, ça existe depuis longtemps, on est d'accord. Alors, donc, je réponds à la question, je m'arrête là. C'est qu'effectivement, je crois qu'aujourd'hui, un véritable enjeu serait, à travers l'éducation, à travers les débats, ce que nous faisons là ou autres, de comprendre ce qu'est l'évolution. Ce n'est pas une idéologie, c'est simplement comprendre ces phénomènes coévolutifs. Et en effet, l'homme, comme jamais auparavant, est responsable, puisque nous avons un poids par nos activités. Ça a été rappelé par Étienne Klein, si on consomme tous comme... Et comment peut-on empêcher les Chinois, les Indiens et les autres de vouloir consommer comme nous? Donc, notre responsabilité, ça va être quoi? On ferme les frontières et on continue? Ou on décide de changer notre mode de vie? Ça ne va pas être facile, hein, pour vous comme pour moi. Je crois qu'elle est là, la responsabilité aujourd'hui, de comprendre que cette coévolution se fera sur l'ensemble de la planète. Et pour cela, il faut comprendre ce qu'est l'évolution. Une autre question du panel, peut-être? Oui, ça marche, c'est bon. Donc, une autre question du panel, qui est un petit peu différente, mais qui reste toujours dans le sujet, c'est par rapport aux lois et à peut-être la dimension morale de cette évolution dont on a un petit peu parlé. Donc l'évolution biologique est soumise, comme vous l'avez bien dit, aux lois de la nature, qui sont finalement des lois, des processus plus ou moins aléatoires, si on peut le dire. Et quelles sont les lois finalement morales qui devraient régenter l'évolution technologique de l'homme du point de vue individuel ou du point de vue d'une société entière? Je vais donner la parole à Étienne Klein. C'est une bonne question, mais je ne sais pas y répondre, parce que je me pose cette question, c'est-à-dire est-ce que l'évolution technologique est soumise à des lois ou pas? Alors il y a plusieurs façons de voir le problème. McLuhan, le grand spécialiste de la communication, disait que la technique fait de nous les organes sexuels du monde mécanique. C'est-à-dire que cette technique qui était, je le dis pour Pascal Pic, qui pourra en faire son miel, mais cette idée que la technique va libérer notre corps. C'est vrai que la technique a libéré notre corps, mais subrepticement, elle a, en quelque sorte, envahi nos esprits. C'est-à-dire que les problèmes techniques deviennent envahissants. Et la plupart d'entre nous, nous travaillons tous les jours à régler des problèmes techniques. Et donc la libération n'est pas complète. La question que je me pose et qui rejoint votre préoccupation, c'est est-ce qu'il y a une autonomie de la technoscience par rapport à la science? J'ai l'impression que oui. Hier, je fêtais les 25 ans de ma promotion, donc j'ai revu les gens que je n'avais pas vus depuis 25 ans dans une école d'ingénieurs que j'ai fréquentée. Ils sont tous dans la technoscience, et en fait, ils ne font pas de science du tout. Ils sont des espèces de management, de projet. Ils m'ont dit des choses compliquées que je n'ai pas toutes comprises, mais c'est clair qu'ils sont coupés de la science. Et d'ailleurs, la formation scientifique dans les grandes écoles... Vous y êtes, je crois. Les fondamentaux ne sont plus enseignés. La mécanique quantique, c'est un petit bout. La relativité, c'est un petit bout, etc. Comme si ça n'était plus fondamental. Et donc, soit il y a un lien secret qu'on a tendance à oublier entre la recherche fondamentale et la technoscience. Et à ce moment-là, je pense qu'on va le savoir assez vite. C'est-à-dire que le monde de la technoscience sera dans la position des personnages de Tex Avery. Vous savez, qui court sur un plateau, ils se retrouvent dans le précipice, mais la gravitation n'a pas encore joué. Ils sont sur l'inertie de leur mouvement, et puis tout d'un coup, la gravitation, tac, ils tombent. Alors, si la technoscience continue de dépendre de la science fondamentale de façon secrète, alors je pense que bientôt, ça va tomber.
Mais il y a une autre possibilité, c'est que la tête-conscience s'est émancipée de tout le substrat de connaissances qui l'a rendu possible. Et à ce moment-là, elle va développer ses propres lois d'évolution, et la notion de maîtrise de l'ensemble deviendra problématique. Autrement dit, ce qui fait que notre époque, à mon avis, et pour vous qui êtes un jeune ingénieur, est à mon avis passionnante, c'est que nous sommes tous bien conscients que notre maîtrise des choses, alors dans choses, je mets la nature, l'environnement, notre propre devenir, etc., cette maîtrise, elle est à la fois démesurée et incomplète. Elle est démesurée parce qu'on fait des choses incroyables, on va sur la Lune, on va bientôt découvrir le boson de Higgs. Je m'étais juré de prononcer le mot de boson de Higgs dans le débat, c'est fait. Alors qu'il y a un siècle, les physiciens, dans leur grande majorité, doutaient de l'existence de l'atome. Vous voyez ce qu'on a fait en un siècle ? On est passé de l'atome qui fait un dixième de nanomètre de dimension aux quarks qui sont presque 10 ordres de grandeur plus petits. Donc c'est incroyable ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a donc maîtrise démesurée? Nous avons conscience que nous faisons l'histoire. Maîtrise incomplète parce que nous ne savons pas quelle histoire nous sommes en train de faire. Et c'est cette ambivalence que je trouve intéressante. Donc ça nous amène à la question morale, Joël de René. Justement, il a prononcé, à mon avis, deux mots qui sont importants, c'est les lois et la morale. Quelles sont les lois d'évolution du système technologique et y a-t-il une morale derrière ? Moi, je crois, comme Étienne, que la technoscience s'emballe sur elle-même. Elle s'emballe sur elle-même, elle va trop vite. J'ai expliqué tout à l'heure l'accélération entre le technologique, le numérique, etc. Ça va très vite. Quelle est la maîtrise de la maîtrise ? C'est une grande question qu'on se pose au niveau politique, au niveau industriel. Alors, la loi ou le moteur, d'une part, et la morale de l'autre. Moi, je pense que le moteur, un des grands moteurs du développement technologique, c'est l'innovation industrielle, mais parfois une innovation industrielle qui ne répond pas aux besoins des hommes. C'est une innovation industrielle pour créer de nouveaux marchés, dans un sens c'est très bien, mais quelquefois ça contribue à des désirs, voire à des fantasmes qui ne sont pas en relation réelle avec les besoins de l'humanité. Par exemple, est-ce que c'est utile d'avoir 663 sonneries de téléphone portable téléchargeables ? Est-ce que vous utilisez les 100% de vos fonctions de votre téléphone ou 10% etc. Donc, on est noyé dans une espèce d'univers de technologie où on vous culpabilise en vous disant si vous n'avez pas le dernier logiciel ou le dernier machin truc, vous n'êtes plus dans le coup. Et une espèce de course de vitesse en avant liée à cette fuite en avant de l'industrie pour innover, pour créer de nouveaux marchés, pour créer de nouveaux clients et surtout pour les rendre dépendants de cette technologie. Je ne vais pas citer des grandes entreprises de logiciels, mais certaines, si Microsoft après tout, il nous rend dépendants de sa technologie et on est obligé de continuer à utiliser les logiciels et mettre à jour. Donc il y a d'une part un moteur industriel de l'innovation qui quelquefois va trop vite et trop loin. La morale, moi je vais vous dire, je préfère le terme d'éthique au terme de morale dans un sens, dans votre question, hein, pas en général, mais dans votre question. Parce que l'éthique, c'est une forme de valeur partagée qui émerge. L'éthique, ce n'est pas quelque chose qui arrive d'en haut, qui est dicté, qui est révélé. L'éthique, c'est émergent. Et ce sont des valeurs partagées par des humains et qui émergent et qui sont reconnues comme une sorte de consensus, d'éléments à sauvegarder. La France a été un pionnier dans la bioéthique. Et ça, c'est vraiment lié aux biotechnologies. Je ne vais pas vous dire les lois qui ont été édictées, reprises par les députés sur un certain nombre de choses, les mères porteuses, la thérapie génique, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Avec quelques-uns, j'ai contribué à lancer l'idée d'info-éthique et d'éco-éthique. C'est-à-dire, sur le même principe que la bioéthique, nous avons pensé qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi avec l'information privée des gens. Et aujourd'hui, les banques de données, les moteurs de recherche, l'Internet permettraient et permet de creuser sur la vie privée. Donc, l'info-éthique, c'est le respect morale, si vous voulez, ou éthique en général, de ces évolutions technologiques dans la technosphère et dans la cybersphère. Et enfin, l'éco-éthique, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec la planète. On ne peut pas laisser à nos enfants une terre malade. On a une responsabilité de l'héritage. Et donc, ces trois éthiques, bioéthique, info-éthique et éco-éthique, à mes yeux, je me trompe peut-être, devraient être fondamentales dans notre réflexion sur le futur et fondamentales dans notre capacité de maîtriser la maîtrise de cet emballement de la technoscience sur elle-même. Je crois qu'Étienne voulait réagir à partir de ça. Non, je suis d'accord avec ce que dit Joël. Je voulais juste en profiter pour dire deux choses. La première, c'est que
cette puissance de la technoscience et la vitesse à laquelle elle va, c'est la rançon de la gloire. C'est-à-dire que, pour revenir à la physique, elle a fait tellement de choses au XXe siècle, elle a ouvert tellement de possibles que la technoscience se contente de transformer ces possibles en marché. Bon, donc, on y met beaucoup d'énergie, mais c'est quand même la preuve d'une certaine efficacité quand même de la science au XXe siècle. Et puis sur l'éthique, on en parle beaucoup d'éthique, il y a des comités d'éthique partout qui se créent ou qui discutent entre eux. Le CNRS, par exemple, vient d'émettre une liste de recommandations éthiques à propos des nanosciences. Mais je trouve que trop souvent, l'éthique est utilisée comme une sorte de ligne Maginot qui serait là pour nous prémunir contre les dérives néfastes de la science. Et s'agissant de la médecine, par exemple, les comités d'éthique, on les voit travailler sur les cellules souches, d'autres travaillent sur les OGM pour d'autres applications, sur le clonage, etc. C'est quand même une éthique de repu, me semble-t-il. Au sens où le problème éthique numéro un de la médecine, c'est l'accès aux soins, d'abord. Et les autres problèmes sont des problèmes très intéressants, mais dans lesquels on risque de se perdre et d'oublier que la fonction principale de la médecine n'est encore que distribuée que de façon parcimonieuse. Oui, à propos de la technoscience par rapport à la science. On a évoqué tout à l'heure cette histoire du dessin intelligent. Eh bien, ce qui est incroyable, c'est que la technoscience aujourd'hui est en train de produire sa propre vision du monde. Et vous apercevez que les gens dits scientifiques qui soutiennent le dessin intelligent, vous avez deux catégories de personnes. Les créationnistes qui avancent à couvert maintenant et des gens qui sont tous issus d'une formation d'ingénieur. Ce sont eux qui soutiennent le dessin intelligent. Donc aujourd'hui, ils se sont donné leur propre vision du monde qui ne tient pas du tout compte de tous les autres aspects qui sont liés à la biodiversité, etc. etc. Donc voilà comment un système a créé sa propre vision du monde et dans laquelle il nous entraîne sans aucune considération éthique en dehors de cela. Il n'y en a même pas d'ailleurs. Mais c'est les mêmes qui d'ailleurs attaquent la mécanique quantique en disant qu'elle a oublié des variables cachées, etc. C'est un boulot d'ingénieur ça, que de montrer que la mécanique quantique est réductible en fait à la mécanique classique. Donc il y a quelque chose dans la physique du XXe siècle, ou dans la science du XXe siècle, ou même XIXe en incluant le darwinisme, qui déplaît à ceux qui sont partisans d'un monde qui soit à la fois mécanique et finalisé. C'est comme la discussion entre la biologie et la sociobiologie. La biologie est une vision systémique des interdépendances. Si on la réduit à de la chimie et de la physique, on perd les propriétés émergentes. Et si on l'étend et on l'intègre dans le sociologique, on fait les pires bêtises du monde, parce que la biologie ne peut pas être transposée telle qu'elle à la société. D'accord. Est-ce que la personne du panel... Il représente tous les autres. Tout seul pour 10. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, il y avait encore d'autres questions. Bon, je vais essayer d'être méfiant maintenant parce que je vais bientôt devoir m'excuser de faire une formation d'ingénieur à ce rythme-là. Mais donc on avait. Il n'y a pas d'excuse pour ça. On a prononcé, oui, justement, c'est irréparable. Donc une précision importante entre l'éthique et la morale, l'éthique étant un petit peu une application des règles de la morale qui sont plutôt transcendantes, si on peut le dire. On a prononcé le mot des nanosciences. Donc, le mot est important qui parle des nanotechnologies. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions quant aux nanotechnologies. On entend beaucoup de choses dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu où en est actuellement la recherche sur les nanotechnologies et quelles sont ses possibilités d'avenir tout en justement restant dans les règles éthiques? Est-ce que vous pouvez repréciser la question? Parce que la recherche en nanotechnologie, c'est extrêmement vaste. Ce serait le sujet d'un autre débat, à mon sens. Donc, par rapport à l'évolution et à la responsabilité de l'homme dans l'évolution, est-ce que vous pouvez resituer les nanotechnologies dans ce cadre-là ou les nanosciences? D'accord. Donc, en fait, je pensais notamment à l'évolution des génétiques des hommes. Aujourd'hui, on sait qu'avec les technologies de thérapie génique ou de clonage génétique, on peut modifier les gènes des êtres vivants. Est-ce que, justement, les nanotechnologies n'ont pas un rôle de modification des gènes et donc
d'agir finalement sur une évolution qui était naturelle par le passé, comme l'expliquait Pascal. Bon, on va essayer de ne pas être trop technique, évidemment. Votre question est passionnante, mais on va rester dans le cadre de notre débat qui est l'homme est-il en train de reprendre en main l'évolution, et si oui, est-ce que c'est un avantage pour l'humanité ou un très grand risque ? Alors, effectivement, d'agir sur les gènes, c'est de la génétique. Il y a le génie génétique qui a permis de modifier des gènes, les reprogrammer en quelque sorte pour fabriquer des protéines pouvant servir, par exemple des protéines ou des peptides pouvant servir à des fins pharmaceutiques. Ça, c'était des années, fin des années 60, 70, 80. Et puis sont arrivées les nanotechnologies, c'est-à-dire la possibilité de reconstruire la matière, pas seulement en éliminant de la matière, comme on l'a toujours fait, hein, en enlevant pour miniaturiser, mais en construisant du bas vers le haut, en connaissant les règles physiques et chimiques, comme un jeu de Lego, pour fabriquer des molécules, des membranes actives, etc. Et effectivement, pour la médecine de demain, les nanotechnologies, sous cet angle, pourront et commenceront déjà à jouer un rôle, par exemple, des biopuces. Des biopuces, c'est en anglais des biochips, ce sont des toutes petites pastilles qui contiennent des morceaux d'ADN, qui peuvent reconnaître d'autres morceaux d'ADN et permettre ainsi de diagnostiquer des virus, des bactéries, des maladies génétiques, permettre de traiter les gens et faire de la prévention. Voilà un exemple. Les nanotechnologies, ce sera aussi ce qu'on appelle des pilules intelligentes, c'est-à-dire au lieu de prendre des pilules toutes les 15 heures, toutes les 6 heures, par un implant sous la peau, eh bien, ces pilules intelligentes, en recevant des informations venant du corps, elles pourront diffuser vers le corps des médicaments extrêmement actifs. Enfin, troisième et dernier exemple sur les nanotechnologies, ce sont ce qu'on appelle des implants, des puces implantées, c'est-à-dire des puces implantées qui vont capter des signaux venant de biocapteurs dans le corps et régler des désordres métaboliques permettant à des gens malades de retrouver un fonctionnement normal de leur corps. Les nanotechnologies, ça pose beaucoup de problèmes. Il ne faut pas croire que tout d'un coup, ça va résoudre tous les problèmes du monde. À mon avis, ça va poser autant de problèmes que les OGM. Parce que les nanotechnologies, par exemple, vous faites des nanotubes de carbone, si vous donnez ça à respirer à des rats, ils ont des maladies pulmonaires pires que l'amiante. Donc il faut que les scientifiques commencent d'abord à réfléchir avant de se lancer. Et d'ailleurs, il y a eu à Berkeley cet été un peu ce qui s'est produit dans les années 70. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de la réunion d'Asil Omar. Asil Omar en Californie, c'était des gens qui avaient commencé à faire du génie génétique et qui se sont dit « bon, on est en train de traficoter le vivant ». Réfléchissons ensemble jusqu'où on va. Eh bien, à Berkeley cet été, s'est tenue une réunion des nanotechnologues qui ont dit, écoutez, on a un pouvoir encore plus grand que la chimie, puisqu'on fabrique la matière intelligente du bas vers le haut, et donc réfléchissons. Enfin, le dernier point sur lequel je voudrais évoquer, vous ne l'avez pas mis dans votre question, mais c'est une forme de nanotechnologie, c'est la reprogrammation totale des cellules vivantes. Ça s'appelle la biologie de synthèse. La biologie de synthèse, synthetic biology en anglais, ça veut dire non plus comme le génie génétique, de prendre un gène, de le modifier pour changer une protéine, mais ça veut dire de prendre le programme génétique d'une cellule complète et de la changer comme on fait un programme d'informatique. Start, stop, go to, if then, do loop. Vous vous rappelez ? La programmation. On s'en rappelle tous un peu, on en a ou fait ou pas fait. Eh bien, il existe aujourd'hui dans le monde des laboratoires ce qu'on appelle des DNA cassettes, des cassettes d'ADN ou des biobricks, des biobriques, qui existent sur Internet. Personne n'a eu l'idée de les breveter. Alors, l'industrie pharmaceutique commence maintenant à se poser des questions. Et ces biobricks, on peut se les échanger. Quand on a la séquence d'une biobricks, on la met dans une machine à synthétiser des gènes qui existent. Et cette machine synthétise un gène chimique, biologique, qu'on met dans une bactérie et qui la reprogramme complètement. Donc ça fait vraiment réfléchir. Je peux vous dire que dans les 15 prochaines années ou les 20, vous allez entendre parler de la biologie de synthèse avec des progrès foudroyants pour traiter certains types de maladies, mais aussi des enjeux pour l'humanité, comme le génie génétique ne nous a pas encore donné l'avant-goût. Cela dit, vous avez parlé tout le temps au futur. Donc moi, je rebondis là-dessus, parce que est-ce qu'on ne serait pas justement, là, une fois de plus, noyé dans de la technoscience ? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas en train de construire une vision et orienter à partir de là et des recherches et une évolution et une pensée uniquement par rapport à des promesses. Je pense aux biotechnologies. Si on faisait la liste des promesses des biotechnologies il y a 20 ans et de celles qu'ils ont tenues, on serait dans un ridicule absolu. Moi, j'attends encore les extraordinaires guérisons que l'on m'a promis pour le Téléthon chaque année au mois de décembre. Je retrouve toujours des myopathes. Je ne vois toujours pas de myopathes guéris. Le test du sida est fait par les biotechnologies. J'attends. Des produits anticancéreux sont faits à partir de biotechnologies. Le Glivec, qui est un anticancéreux bien sûr, très puissant. Bien sûr, mais je ne dis pas qu'il y a eu échec. Je dis en revanche qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Oui, bien sûr, et il y a un monde entre ce que l'on promet.
Or là, actuellement, avec les nanosciences, on est quand même en train de s'orienter vers ça. Moi, tout ce que vous venez de promettre là, ça me fait vraiment penser à ça. Alors, je voudrais donner la parole à Étienne, puisque c'est un aspect des choses qu'il a un petit peu abordé tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant avec les nanosciences, c'est que d'abord, elles n'existent pas encore vraiment. Les applications, elles ne sont pas là, elles sont pressenties. Et sur ce coup-là, je trouve que les physiciens, qui ne sont d'ailleurs pas seuls, parce que le problème du pilotage des nanosciences, c'est que c'est interdisciplinaire. Il y a des opticiens, des chimistes, des physiciens, des biologistes. Et du coup, ça rend d'autant plus délicat le pilotage de l'affaire. Et elles ne sont pas encore là, mais on sait bien qu'il va y avoir du grabuge. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de potentialités nouvelles dont on va devoir se poser la question de savoir ce qu'on en fait. Et c'est là qu'à mon avis intervient la différence entre l'éthique et la morale. C'est que l'éthique, c'est tout ce nouveau champ qui apparaît du fait que la morale traditionnelle est limitée à une certaine vision du monde, et notamment une certaine vision du développement. Vous pouvez relire les trois critiques de Kant, relire toutes les belles pages qu'il a écrites sur l'impératif catégorique, etc., sur les fondements de la morale à l'occidentale, disons, ça ne vous aidera nullement à répondre à la question de savoir ce que vous allez faire de ces puces, de ces biopuces, etc. J'ai lu qu'on pourrait bientôt étiqueter l'événement avec des puces, de telle sorte que la machine à rêver sera toute seule sur quel programme elle doit fonctionner. Bon. La question de la technoscience, c'est... Moi, je dois avouer que ça me manquait beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas justement une évolution autonome de la technoscience où en fait elle vient nous proposer des objets que jamais personne n'a désirés? Donc la question c'est celle du désir. Que désirons-nous? Quel genre d'être encore humain voulons-nous être, devenir ou ne plus être? Et on voit que ce genre de débat qui commence, il y a un débat public qui va se produire en France sur les nanosciences, il a déjà eu lieu dans d'autres pays. Il y a des technoprophètes qui nous explique, notamment comme Kurzweil aux États-Unis qui a écrit un livre dans lequel il explique aux vieux, les gars, tenez bon 10 ans, parce que dans 10 ans, grâce à des techniques d'interfaçage entre le vivant et l'inerte, vous serez immortels. Vous verrez la fin du prochain siècle. Ouais. Donc tenez 10 ans. Okay. Avec les bonnes vieilles méthodes. Et il y en a d'autres. Il y a de l'espoir encore. Et il y en a d'autres qui disent que dès que la technoscience, ou plutôt dès que les nanosciences vont donner leurs premières applications, eh bien, on va liquider ce qui fait l'essence même de la condition humaine. Bon, il y a une chose qui est à peu près sûre, à mon avis, c'est qu'à la fin du XXIe siècle, nous demeurerons mortels. Et c'est une bonne nouvelle. Et tant mieux. C'est certain collectivement, mais je préférerais attendre à titre personnel. Donc je vais demander à Pascal quel type d'humain, quel type d'évolution il désire. Alors. Désir, oui. Ben, effectivement, que nous soyons mortels, c'est une chose. Et que nous soyons... Vous savez, c'est paradoxal. On n'a jamais aussi bien vécu quand même en Occident, soyons très clairs. On a bien noté et insisté sur ce problème de l'universalité, de ce progrès dont nous bénéficions dans ces pays, même si dans ces pays c'est pas également partagé, vous le savez fort bien. La chose étant, je vais pas vous donner mon âge, mais j'imagine le même débat de la Cité de la Réussite il y a 30 ans avec nos grands aînés qui avaient le même âge que nous. Je pense que ça aurait été moins vif physiquement, peut-être pas intellectuellement, mais ce que je veux dire par là, mais attendez, regardez ce qui s'est passé. Et ça, monsieur, non, j'ai une formation d'ingénieur, il se trouve que maintenant je suis chez les singes, mais ce n'est pas un échec d'un point de vue. C'est une évolution. Mais la c'est chose étant, non, il y a eu progrès, c'est indéniable, grâce aux technologies, aux ingénieurs, aux biotechnologies. Personne ne conteste cela. Ce qui nous inquiète, c'est qu'on a l'impression, comme on l'a dit dans d'autres circonstances, il n'y a plus de pilote dans l'avion. Quoi. Donc on crée des espoirs et de faux désirs qui ne seront jamais réalisés. Et ça, c'est le pire. La chose étant, de voir comment l'espérance de vie a augmenté depuis l'après-guerre, on n'a pas changé génétiquement en termes d'évolution. Simplement, nous avons changé notre environnement grâce à la médecine, l'hygiène, le sport et tout cela. Donc, ce que je vois, et j'en reviens à ce que vous venez de dire, nous avons toujours cette attitude d'aller chercher le nano-élément ou le gène responsable. Or, les gènes sont responsables de caractère, mais leur expression n'est pas absolue. Leur expression
est intégré dans une complexité extraordinaire. Et ce qu'a dit très bien Joël Le Rennais tout à l'heure, c'est les propriétés d'émergence. Or, ce que nous promettent ces gens-là, c'est des mirages qui ne tiennent pas compte de l'émergence. C'est-à-dire, on va mettre quelque chose dans un système. C'est le débat tout à l'heure qu'il y avait dans cette Mensa sur les OGM. Alors, je n'ai pas pu le coincer, le gars, parce que bon, j'avais le débat ce soir, je ne voulais pas prendre la parole. Mais c'est fous furieux, ces gens des OGM. Ils vous disent qu'ils vous mettent quelque chose dans un champ et que, de toute façon, c'est contrôlé. Personne ne sait ce qui se passe quand on met un nouvel élément dans un environnement. Enfin, ils se foutent de nous, ces gens-là. Et quand... Non mais... Et là, c'est de la science, c'est pas la technoscience. Personne ne sait, quand on met un nouvel élément dans un écosystème, ce qui va se passer. Personne. Je vous raconte une histoire de lapin. Un jour, au Canada, ils n'avaient plus de lapins. Donc, ils vont chercher des lapins. Et comme en Amérique, big is beautiful, ils vont chercher des lapins dans le Montana. Alors, ils emmènent des lapins Mouse, au Québec. Et les lynx, ils se disent, super, on a des super lapins. Donc, les lynx, paf, ils vont attaquer les lapins. Seulement, on ne sait pas pourquoi ces lapins, tous les 5 ans, ils ont un cycle d'effondrement démographique. Donc, les lynx qui avaient appris à bouffer des gros lapins, ils n'ont plus de lapins. Donc, sur qui ils se rabattent ? Sur les jeunes caribous. Et les lynx ne peuvent pas abattre un jeune caribou. Pourtant, les caribous disparaissent. Ben, vous savez quoi ? Il se trouve que les lapins... ont impliqué un nouveau comportement de chasse, mais que dans la salive des lynx qui n'avaient jamais attaqué les caribous, il y avait un agent pathogène qui fait que, attendez, on avait mis un petit lapin tout blanc. Donc on ne sait jamais ce qui se passe dans un environnement. Et aujourd'hui, c'est la même chose. C'est qu'en effet, ces promesses sur la thérapie génique, et je comprends les gens qui, tous les ans, sont impliqués dans le Téléthon et tout le monde en participe, soient évidemment sensibilisés par cela. Mais vous l'avez très bien dit, Eric. On s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des solutions qui émergeront à travers ces tentatives de thérapie génique, mais ce n'est pas les promesses qu'on nous a données. On a créé de nouveaux désirs impossibles, et je ne crois pas que ça rend service à la science et à notre vision de l'humanité. Donc ça, je trouve que c'est très embêtant. Et je terminerai par un exemple. Vous savez qu'on a décrypté les génomes des chimpanzés récemment, après celui de l'homme. Vous savez qu'on n'a même peut-être pas un gène de différence avec les chimpanzés. Comme on ça fait chez les chimpanzés. Donc, vous imaginez bien, il y aura un chimpanzé ici, vous le trouveriez quand même différent de moi, même si je suis le fossile de service. Donc on voit bien, vous voyez, c'est pas qu'un gène et un caractère, ce sont des constructions extrêmement complexes. C'est-à-dire, jusqu'à présent, c'est des changements de paradigme. On est dans la complexité, comme l'a très bien dit Joël, et à partir de là, il faut sortir de ces systèmes déterministes. Peut-être que les nanotechnologies repartiront des choses, mais ce qu'ils nous promettent pour l'instant, je crois que c'est des promesses de sorciers. C'est certain qu'on cherche beaucoup le gène de l'obésité aujourd'hui. Peut-être que parfois celui de la bêtise serait plus facile à trouver. Je peux ajouter une petite chose importante sur ce que vient de dire Pascal, rapidement, parce que l'on va donner la parole à la salle. Ça va être très court. Vraiment très court. On va faire un peu de science ensemble. Ça s'appelle l'épigénèse. La genèse, c'est le système génétique. On a cru pendant longtemps que l'ADN déterminait tout le reste, toutes les fonctions du corps. Or, il y a ce qu'on appelle l'épigénèse, qui n'est pas déterminée par l'ADN, mais qui se réalise quand même en dehors de l'ADN. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que l'ADN, en fait, il n'y a que 15% du génome qui code pour des protéines et des enzymes efficaces. Le reste, on l'a appelé junk DNA, l'ADN poubelle. Or, on s'aperçoit que cet ADN contrôle des ARN, c'est-à-dire des petites molécules qui vont jouer un rôle intermédiaire entre le message génétique et la capacité de la cellule à répondre à certains stress environnementaux, à s'adapter. On a des centrales énergétiques dans nos cellules qui s'appellent les mitochondries, qui ont leur propre génome, et ces mitochondries vont réagir à l'environnement en se dupliquant plus, en permettant de fabriquer plus d'énergie ou moins d'énergie. Et enfin, dernier point, il y a des tout petits morceaux d'ARN, notamment donnés par des virus, qui vont pouvoir interférer, ça s'appelle de l'ARN interférent, avec cet ARN messager et couper le message génétique. Donc, il ne pourra pas s'exprimer. Et je donne un dernier exemple. Dans les cellules qui vont donner un bébé, quand la mère est enceinte, il y a le placenta, il y a les trophoblastes. Et bien, dans les cellules qui vont se développer, il y a des virus intégrés, qui ne sont pas des méchants virus, c'est des gentivirus, mais par les petits ARN, ils vont permettre l'épigénèse et permettre ces cellules de se transformer en cellules qui plus tard donneront l'environnement de l'enfant que la maman va avoir. Donc c'est un concept fondamental, je vous le dis comme ça parce que c'est vraiment la nature qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on croyait. L'épigénèse et la coévolution, c'est les grands mots de la complexité, et les sciences de la complexité, c'est ce qui nous permettent de mieux comprendre le monde aujourd'hui. Merci. Je voulais juste signaler que... Thank you.
Il y a 20 ans de ça, moi, j'ai eu un enseignant en biologie qui était chercheur et qui me disait que cette junk DNA, justement, ne servait à rien et que l'avenir, c'est de la supprimer parce que ça n'avait aucun rôle. Ça sert beaucoup. Donc, vous voyez, c'était un chercheur, c'était directeur de recherche à l'époque, comme quoi. Bien, ben, on va laisser la parole à la salle maintenant. Donc, voilà, il y a un micro qui va passer et qui veut prendre, je ne sais pas, monsieur, là. Merci, merci à tous pour vos exposés tout à fait passionnants. J'ai eu la chance aujourd'hui d'assister à certaines présentations d'hommes et de femmes politiques de tout premier plan. Et derrière le problème de la responsabilité du politique se pose bien sûr la question lancinante du poids respectif entre le politique et, on va dire, les contraintes économiques mondiales. Alors je suis très frappé du parallèle avec un certain nombre de vos remarques, en particulier, M. Klein, quand vous dites les chercheurs ou les laboratoires sont condamnés à innover. Et je suis très inquiet par rapport à ça sur un certain fatalisme qui voudrait que tout le savoir que vous représentez soit finalement instrumentalisé à des fins qui ne soient pas régulées. Donc pour essayer de réharmoniser les équilibres entre l'homme, la société, le politique et le savoir, ma question va être très directe et un peu provocante. Messieurs, vous qui avez le savoir, est-ce qu'il ne serait pas temps que vous repreniez le pouvoir ? Alors, on répond. Moi, je ne crois pas du tout au gouvernement des savants, hein, d'abord. Ça, je crois que ce serait la pire des choses. Vous prenez un grand savant, on dit il est très très bon, il sait plein de trucs, on va le mettre ministre de la Santé. Catastrophe. Ou vous pouvez même le mettre ministre de l'Éducation nationale s'il est géologue. Hein. Donc ça, c'est arrivé. Donc, moi, je ne crois pas du tout à la capacité d'exercer. C'est un métier complexe, la politique. C'est un métier multidimensionnel qui doit tenir compte de quantité de paramètres. Et les scientifiques sont des bons rationalistes. Ils sont capables de faire des bonnes manips, des bonnes théories en fonction de leur expérience ou des expériences en fonction de leur théorie. Mais je pense qu'ils ne seront pas des bons gouvernants. En revanche, plutôt que de prendre le pouvoir, on peut influencer les personnes de pouvoir. Et ça, écoutez, on le fait tous. Ah bon, tu rigoles, toi, t'es dans mon... Attends, tu menteur. Avouez. Bon, attends, alors. Avouez. Bon. Donc, on le fait, on nous le demande, et quels que soient les partis, finalement, pour l'intérêt de la France et du monde, on donne des avis. Et c'est étonnant parce qu'on s'aperçoit que, finalement, certains de ces avis sont écoutés et réalisés en fait. Oh, allez, vas-y. Bon, je vais te citer des cas. Je vais te citer des cas. D'accord. Et dans le Conseil scientifique de la Cité des sciences. Bon, alors, donc, je crois que pas de pouvoir direct, mais d'influence par tous les comités auxquels nous participons, les écrits auxquels nous participons, nos livres. Je crois que c'est beaucoup plus intéressant pour nous de voir les choses se faire progressivement dans la société civile. Non, je pense qu'un scientifique peut être un homme politique, mais il n'est pas un homme politique parce qu'il sera scientifique. Ça, c'est important de le dire. Maintenant, effectivement, nous avons du pouvoir, je ne sais pas, mais de l'influence, Joël le rappelait. Lorsque, moi je ne vais prendre qu'un seul exemple, qui concerne un petit peu notre avenir, mais peut-être pas direct par rapport aux questions de ce soir, les grands singes que j'aime tant. Il y a 10 ans, personne ne parlait des grands singes. On a monté une émission à la Cité des sciences et de l'industrie, nous avions Arte comme partenaire, et ça s'est enclenché. Et la semaine dernière, j'avais organisé un atelier dans le cadre des Assises nationales du développement durable pour l'engagement de la France. Voilà. Donc, ça a pris 7 ou 8 ans, c'est peut-être pas assez rapide, mais il est très clair que là, ce sont les politiques qui se sont adressés à moi. Donc, je vous donne un exemple où, effectivement, on peut quand même, comme ça, mais nous ne sommes pas des hommes de pouvoir, mais d'influence, oui, certainement, mais c'est déjà pas mal, si on nous entend. On pourrait faire mieux, je vous l'accorde. Dans votre question, j'entendais moi un autre point, en plus de celui que vous avez traité, c'est la question du... C'est une question d'ailleurs que beaucoup de philosophes, par exemple, posent aujourd'hui. Est-ce que la technoscience, qui a d'autres critères que ceux de la science, n'a pas trahi la science, finalement ? Est-ce que le désir de dominer, le désir de produire de la nouveauté, la performance, l'excellence, tous ces thèmes qui sont déclinés de façon presque incantatoire aujourd'hui, ne sont pas une trahison de l'esprit même de la science qui était de viser l'intelligibilité du monde et de fabriquer de nouveaux concepts. Bon, on peut défendre cette thèse, on peut aussi se dire que Bacon, qui a lancé l'idéologie du progrès telle qu'on l'a pratiquée depuis 2 siècles et demi, disait « savoir, c'est pouvoir ». Et Platon lui-même, il y a encore plus longtemps, se demandait si le désir de connaître et le désir de dominer l'autre
ne relevait pas du même élan inconscient. D'accord ? Donc le lien entre savoir et pouvoir est un lien compliqué. Moi, je pense que les scientifiques, même si je trouve que ça a largement échoué ces 20 dernières années, c'est d'expliquer ce qu'est le savoir scientifique aux citoyens. Donc moi, je me bats, par exemple, et c'est pour ça que je disais que je ne l'ai pas écouté, pour que dans les grandes écoles, ou même dans toutes les universités, il y ait des cours sur les fondements de la physique. Je ne trouve pas normal qu'en 2006, on puisse obtenir le titre d'ingénieur sans jamais avoir entendu parler de la théorie de la relativité d'Einstein. Je parle de la restreinte, pour décrisper les visages, pas la générale. Je trouve que traiter la mécanique quantique en 10 heures d'amphi, c'est presque de l'imposture. D'accord ? Donc, il me semble que la technoscience serait en tout cas accompagnée d'un discours qui permette mieux de la penser si ceux qui la font fonctionner avaient des connaissances scientifiques un peu up-to-date. D'accord. D'autres questions ? Oui. Est-ce que... Okay. Oui. Allez-y. Oui, je vais peut-être avoir une réflexion qui va vous choquer, parce que, enfin, vu ce que j'ai entendu, c'est essayer de comprendre justement, enfin, d'abord prendre conscience, mais ça, on en est tous conscients, que l'homme a acquis un pouvoir sur la nature et sur son environnement très très fort. Donc maintenant, c'est sa conscience qui influe sur l'environnement. Alors la question, c'est, est-ce qu'on peut... y a-t-il des lois de développement harmonieux ? Est-ce que de telles lois existent ? Et est-ce que l'homme ne doit pas les chercher ? J'ai envie de dire, si on regarde de l'extérieur, le développement technologique galopant, ça peut être comparé à des cellules cancéreuses dans un corps humain. Bien. Est-ce que la question... Ouais, la question, elle est posée, donc on va y répondre. Est-ce qu'il y a des lois de développement harmonieuses ? Est-ce que l'on doit répondre à harmonieux, c'est un jugement de valeur, déjà. Harmonieux, c'est harmonieux pour une culture, peut-être pas pour l'autre. Mais enfin, c'est quand même une question absolument passionnante. Je vais, si vous permettez, la remettre dans un autre contexte. Est-ce qu'il existe dans la nature des lois hyper simples qui permettent de comprendre la complexité, comment elle se crée, comment elle est vue par les humains et comment elle est retraduite par les humains dans la musique, dans l'art, dans l'architecture, par exemple. Il y a les fameux nombres d'or, il y a phi, par exemple, pi, mais phi. Phi, c'est un nombre très extraordinaire. Il y a un mathématicien du XIIe siècle qui s'appelle Fibonacci, qui a inventé la série dite de Fibonacci. Si vous additionnez 1 avec 1, ça fait 2, 2 avec 1, ça fait 3, 3, puis ensuite 3 avec 2, ça fait 5, 5 avec 3, ça fait 8, donc vous avez 1, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Et puis plus vous allez très loin, plus vous divisez le nombre le plus petit, le plus grand par le plus petit, plus vous avez 1,6737, je crois que c'est ça le nombre phi. Et donc ce nombre, vous allez le retrouver partout. Si vous donnez un rectangle, alors là je retrouve votre question de l'harmonie, vous faites un rectangle avec le nombre d'or, c'est-à-dire dans le petit côté, à la proportion phi par rapport au grand. Et puis vous mettez 800 ou 500 ou 100 rectangles, des plus longs, des plus petits, des plus étroits, et vous faites un sondage, vous dites aux gens quel est celui qui vous paraît le mieux équilibré, le plus harmonieux, sans leur dire vraiment. Et 85% des gens vont désigner ce rectangle-là. Donc il y a dans la nature des espèces de systèmes, les théories fractales, bon je ne vais pas rentrer dans les détails, Étienne en parlerait beaucoup mieux que moi, mais qu'on doit à Benoît Mandelbrot, le grand mathématicien français. Une image fractale, c'est une image qui du nano au micro, du micro vers le méso, du méso vers le macro, a toujours le même type de structure empilée les uns dans les autres, s'appelle des structures fractales. Donc il y a une espèce d'ordre comme ça dans la nature que les scientifiques découvrent avec passion, et c'est ce que j'ai appelé d'un nom un peu rapide tout à l'heure, les sciences de la complexité. Ces sciences de la complexité, elles permettent aujourd'hui de réunir ce qu'on a appelé dans les années 60 la systémique, c'est-à-dire l'étude des interdépendances et pas seulement la réduction de la complexité en éléments simples, et ces théories fractales, théories des réseaux, théories des graphes, dans une espèce de système plus complexe qui nous permet de voir que finalement, derrière la nature, il y a une espèce de... Alors d'ordre, je ne sais pas qu'est-ce qu'en pense Étienne, j'aimerais pas employer ce terme parce que ça me fait un peu peur, mais une espèce, non pas d'harmonie parce que c'est lié à un jugement de valeur, mais il y a quelque chose qu'on retrouve, la nature est économe de ces trucs, voilà, si vous voulez, en gros. Mais l'harmonie, ce n'est pas exactement l'économie. Bon, moi je...
Je fais un cours de 2 heures sur les rapports entre beauté et vérité. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais dans la question qui a été posée, j'entendais autre chose. C'est pas est-ce qu'il y a de l'harmonie dans la nature, c'est est-ce que l'homme peut se développer d'une façon équilibrée, harmonieuse, etc. Et c'était effectivement le projet des Lumières. Le projet des Lumières, c'était quand même de faire taire le malheur. Regardez ce qui a été écrit au moment du tremblement de terre de Lisbonne en 1755, entre Voltaire et Rousseau, et puis quand il est revenu, Goethe y est revenu. Bon, il y a eu une sorte de séisme philosophique en même temps qu'il y a eu un séisme géologique. Voltaire, qui a utilisé ce tremblement de terre qui a fait des milliers de morts pour ridiculiser Leibniz en disant « Non, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, mais un jour, tout ira mieux si on utilise les sciences mathématiques, physique, biologie, géologie, etc. pour prévenir, puis d'abord pour prévoir, puis ensuite prévenir les tremblements de terre et tous les malheurs que la nature nous inflige. Et lisez Rousseau, qui, à ce même événement, réagit de façon complètement différente en disant ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de morts à Lisbonne, c'est pas le tremblement de terre, c'est Lisbonne. C'est-à-dire le fait qu'on a mis là des immeubles de 7 étages, on a rassemblé des milliers de gens, et donc ils ont été tués par cet événement parce qu'ils étaient concentrés du fait de la civilisation. Donc, moi, je crois qu'il faut tirer le bilan du XXe siècle et dire que la science ne fera jamais taire le malheur, qu'il y aura donc des catastrophes, il y a toujours des catastrophes et il y aura toujours des catastrophes. Et promettre la fin des catastrophes, c'est céder, à mon avis, au discours utopiste du XIXe siècle, que d'ailleurs certains partisans des nanosciences essaient de réactiver. Nous ne nous débarrasserons jamais de notre condition de mortel, et donc il faudra continuer de penser la mort pendant un bout de temps. C'est un grand désir de l'humanité de trouver cette harmonie. Et pour rappeler Bergson, Bergson disait dans l'évolution créatrice, la grande difficulté que nous avons pour comprendre la nature, c'est que nous sommes forgés à la grande tradition grecque de l'harmonie, de ce que tu as évoqué, les nombres d'or, etc. Or, cette pensée qui réussit assez bien dans les technosciences ne échoue complètement dans le domaine de la biologie et de l'évolution. C'est ça la vraie difficulté. À l'époque dont on parlait, donc, il y avait un Charles Linné et autres, on sortait à peine de l'époque de la Providence, où on imaginait que la Terre avait été créée comme cela, et avec toutes les espèces, et que dans définitive, il y avait une régulation entre les proies et les prédateurs. Il y avait un équilibre, il y avait une harmonie. Vous voyez, ce désir d'harmonie a toujours existé. Or, le choc de Lisbonne, c'était celui-ci, c'est-à-dire s'apercevoir, et j'en suis désolé, mais c'est ça, cette prise de conscience que nous devons avoir, c'est que de toute manière, le monde changera dans lequel nous sommes et que nous ne pourrons pas maîtriser les facteurs de ce changement. C'est-à-dire que nous pourrions à la limite envisager de maîtriser ces changements à condition que la nature, elle, ne change pas. Or, ceci n'arrive jamais, puisqu'il y a des facteurs qui n'ont rien à voir avec la vie, qui interfèrent avec la vie. Tremblement de terre, météorites, l'effet de serre, taches solaires. Donc tout ceci fait qu'il faut que l'on s'adapte constamment. Et même s'il n'y avait pas ces catastrophes dites naturelles, qui sont en dehors du monde de la biologie, il y a ce qu'on appelle la reine rouge. Ça vient de Lewis Carroll, ça. C'est Alice qui est au pays des merveilles et elle marche de plus en plus vite, elle court et elle n'en peut plus parce que le paysage la suit. Alors elle tombe sur la reine de cœur, qui est la reine rouge. Et la reine de cœur lui dit, mais ma fille, que vous arrive-t-il ? Elle me dit, écoutez, je marche, je cours, je n'ai pas l'impression d'avancer. La reine de cœur, hautaine, lui dit, ah bon, c'est comment dans votre pays ? Eh bien, quand je marche, je cours, je me déplace par rapport aux maisons, aux rochers, aux arbres, etc. Et la reine de cœur lui répond, dédaigneuse, ma fille, il s'agit d'une chose. En ce pays, il vous faudra courir le plus vite possible pour rester à votre place. Et ceci, monsieur, ce que je viens de dire là, c'est ce qui s'applique en médecine à l'heure actuelle. Les maladies nosocognales, c'est qu'on est rentré dans une course contre les bactéries qu'on ne gagnera jamais. Et aujourd'hui, on parle de médecine évolutionniste, il va falloir, plutôt que de tenter d'éradiquer ce qu'on n'est pas réussi à faire, ces germes, pour prendre un terme générique un peu large, c'est d'apprendre à mieux vivre avec cela. Pas en harmonie,
parce qu'on saura que de toute façon, il y aura des gens qui, peut-être vous ou moi, je ne vous le souhaite pas, pas plus qu'à moi d'ailleurs, nous en serions les victimes. Donc vous voyez, on est vraiment sur des représentations du monde, et la grande difficulté que nous avons, nous, à travers l'éducation qu'on a eue par nos religions, nos mythes, nos philosophies, ou nos mythes modernes à travers les technologies, dont on a beaucoup parlé ce soir, c'est de croire qu'on peut maîtriser tout cela. On en maîtrise de plus en plus, mais la reine rouge fait que nous, nous avons démultiplié nos actions sur la nature et que ces réactions vont aussi se démultiplier parce que jusqu'à présent, c'était perçu dans un combat contre la nature et qu'elle n'allait pas réagir. En fait, elle réagit tout le temps. Une fois de plus, désolé, c'est mon leitmotiv. Étienne nous dit que nous sommes mortels. Moi, je dis qu'il faut évoluer. Voilà. Mais c'est la même chose. Il y a une autre question là-haut. Merci, bonsoir. Tandis que vous parliez de la technologie et de l'inféodation de la technologie dans toute notre vie, j'étais en train de réfléchir au principe de précaution. Ce principe de précaution qui a été érigé et dont les hommes politiques se servent et en usent et en abusent, je voudrais dire aujourd'hui que ça va à l'encontre de la responsabilité. Parce que au titre du principe de précaution, on enlève à des acteurs la responsabilité pour les donner à d'autres en vertu du principe qu'ils ont des compétences pour décider. On l'a vu dans moult cas aujourd'hui et tout récemment encore cet été pour des problèmes très concrets. Donc ce que je voudrais dire, c'est comment installer un contre-pouvoir à ce principe de précaution au nom de la responsabilité. Qui veut répondre ? Étienne, vous voyez acquiescer. Il y a déjà un contre-pouvoir, il y a des gens qui réfléchissent justement à toutes les mauvaises interprétations du principe de précaution qui font que, alors même qu'on est dans des situations d'ignorance ou d'incertitude pour lesquelles le principe de précaution réclame qu'on fasse des recherches, en fait, le principe des précautions est invoqué pour cesser les recherches. D'accord ? Donc, moi, je pense que l'erreur dramatique, c'est une erreur sémantique. C'est d'avoir utilisé le mot précaution dans le principe de précaution. Parce que, du coup, ce principe de précaution qui va au-delà de la précaution ordinaire qu'on doit respecter quand on veut traverser la rue devient source de malentendus. En fait, il dit qu'il faut faire des recherches quand il y a des incertitudes. Or, il y a beaucoup de choses qui sont arrêtées au nom des risques qui sont perçus de façon plus ou moins fantasmatique. Et du coup, il y a un effet comme celui que vous évoquez. Et je pense que les contre-pouvoirs sont en train de s'agiter. La grande question, si vous voulez, monsieur, c'est faut-il inscrire le principe de précaution dans la Constitution ? L'Académie des sciences n'est pas pour. Et c'est exactement ce que dit Étienne, c'est-à-dire que le principe de précaution mal compris, c'est pas arrêtons tout tant qu'on ne sait pas, c'est faisons des recherches pour permettre de savoir qu'est-ce qu'on fait, ce qui n'est pas du tout pareil. Et sur les OGM, les recherches ont été arrêtées au nom du principe de précaution. Alors le principe de précaution, vous devez l'appliquer vous-même en permanence. Je vous donne un exemple. On a fait des études statistiques sur la manière dont les gens perçoivent le risque. On fait ça à la Cité des sciences. Il y a une grande différence entre le risque individuellement choisi et le risque socialement imposé. Les gens qui se bronzent au soleil, qui conduisent vite leur voiture, qui fument des cigarettes, qui font du skateboard, tout ce que vous voulez, ils disent, moi, ce risque-là, c'est moi qui le choisis. Comme je conduis bien, comme je ne reste pas trop longtemps, je mets des crèmes, je n'aurai pas de cancer de la peau, je n'aurai pas d'accident de voiture. Donc, ce n'est pas un risque. Faux. Statistiquement, ce sont des risques. Mais par contre, d'installer des antennes de téléphone portable au-dessus de votre maison ou juste en face, une centrale nucléaire à 10 mètres, à 10 km de votre village ou de votre ville, ou bien des téléphones portables dont on ne sait pas trop si c'est mauvais pour le cerveau ou pas, les gens disent c'est socialement imposé ou industriellement imposé, donc ça c'est un grand risque. Mais vous devez, alors c'est pour ça qu'on fait de l'information à la Cité des sciences, vous devez être responsable et appliquer le principe de précaution à vous-même. Dernier exemple, le téléphone portable justement. Nous, en biologie, on sait tout ce que ça fait à la tête. Tout ce que ça fait à la tête, j'ai pas dit que ça, je sais si ça donne des cancers du cerveau ou pas, ça fait beaucoup de choses. Vous approchez un téléphone portable avec une caméra à positron qui permet de voir avec du 2-déoxyglucose qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, c'est un orage magnétique. On sait que les ondes du téléphone portable, 18 MHz ou 9 MHz, étalent les cellules et favorisent la barrière hémato-méningée qui protège les neurones justement de ce qu'il y a dans le sang, etc. Ça fait plein de choses. Or, il est très simple le principe de précaution, c'est un écouteur Bluetooth, un écouteur à quelques milliwatts. Je suis stupéfait de voir qu'il y a encore des gens qui mettent leur téléphone contre leur tête.
Moi, je vous signalerai. C'est stupéfiant. Pascal le faisait remarquer, c'est il n'existe pas que le principe de précaution. Il y a un philosophe allemand, Jonas, qui a aussi parlé du principe de responsabilité. Donc, je vais laisser la parole à Pascal pour l'évoquer éventuellement. Non, je n'ai rien à dire de plus. C'est-à-dire que principe de précaution, il y a un problème de sémantique, l'a très bien dit Étienne Klein, mais je veux dire, c'est un principe de responsabilité. Et comme on parlait de la responsabilité de l'évolution de l'homme, voilà une réponse que j'apporterai par rapport à tout à l'heure, c'est que c'est notre responsabilité par rapport aux générations futures. Et à partir de là, en effet, ça donne une autre perspective par rapport à ce que nous pouvons faire ou ne pas faire. Mais soyons très clairs, si dans la vision caricaturale de l'évolution, qui n'est pas la mienne, mais qu'importe, un grand singe n'était pas sorti dans la savane, on ne serait pas là, quoi. Hein, donc, dans la vie, il faut qu'on décide d'action, qu'on prenne des mesures, qu'on prenne des fois des décisions. Et très souvent, c'est pour ça que les hommes scientifiques ne font pas de bons politiques, monsieur. Parce que d'abord, on les énerve, les politiques, parce qu'ils nous disent « Alors, quel est le problème ?» On leur dit « Oui, mais il y a ça. Ah bon, je vais dire ça. Oui, mais attendez, mais il y a l'autre problème. » Bon, et au bout de 5 minutes, ils nous virent. Ben, parce qu'effectivement, nous, on leur donne les différents éléments qui sont pertinents autour d'un problème. Et en science, il n'y a pas de vérité. Donc ça, ça agace. Donc un homme politique, il doit prendre ses décisions. Mais à partir de là, il en est responsable, bien évidemment, à partir des informations qu'il a prises. Et bien, c'est pour nous pareil, c'est un principe de responsabilité. C'est-à-dire, on va mener des recherches, faire certaines choses, et à partir de là, il faut qu'on essaie, comme l'a très bien dit Étienne, de réfléchir sur les conséquences. Vous savez, je vous dirai un truc tout simple qui m'est arrivé justement à propos de la Cité des sciences et de l'industrie. J'avais fait ce film avec les chimpanzés du zoo d'Arnhem, et il y avait eu une tentative de meurtre entre les chimpanzés. C'est-à-dire, là, on a eu des hommes politiques de droite et de gauche qui sont venus, hommes et femmes. Bon, ça va, ils supportent. Mais chez les chimpanzés, ils supportent un petit peu moins. Donc, ils en liquident un ou deux. Et à partir de là, j'ai passé ce film. Alors, je savais quelles seraient les critiques que je pouvais attendre. Et d'un seul coup, j'ai été stupéfait de lire que la presse d'extrême droite trouvait mon film absolument formidable. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et c'est là que j'ai compris que j'avais lâché un truc et je ne m'en étais pas aperçu. C'est-à-dire qu'en fait, il disait que, comme les chimpanzés partagent 99% de leurs gènes avec nous, la violence est mise de l'eau, c'est dans une loi naturelle. Donc, vous voyez, on ne parle pas que de nanotechnologie, on parle de science. Et là, effectivement, maintenant, je fais très attention par rapport à cela, parce que j'ai lâché quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Ben voilà, il fallait faire ce film. Maintenant, effectivement, je peux dire, je prends mes précautions. Voilà, c'est un truc tout simple, mais vous imaginez sur le reste, tout ce que ça peut être. Malheureusement, je pense que le débat citoyen a été confisqué dans nos pays. C'est-à-dire que face au risque, tu disais très justement, le politique doit agir de manière binaire. J'y vais pas. Et il demande à l'expert. Et donc, il y a un débat qui est quadrilatère. Il y a d'un côté le politique, de l'autre l'expert, le juridique et le médiatique. C'est-à-dire que le politique a besoin de l'expert pour lui dire « j'y vais, j'arrête, je promulgue le principe de précaution, je fais telle loi », et le scientifique va dire « il me faut encore un peu de temps, un peu plus de crédit, je ne suis pas sûr ». Il voit les choses en gris, en nuances. Le politique, lui, il a besoin d'y aller ou de pas y aller. Et donc, il y a ce débat qui continue entre l'expert et le politique, dont le médiatique va s'emparer en vous disant « on vous cache quelque chose ». Finalement, il y a une collusion entre le politique et les industriels, et le juridique arrive par-dessus. Est-ce que je pénalise, je mets des amendes ou pas ? Et le public, là-dedans, il est où ? Son débat est confisqué. Et puisqu'on parle dans toute cette Cité de la réussite de la question de la responsabilité, on a essayé à la Cité des sciences, je ne dis pas qu'on est totalement arrivé, on a essayé de recréer des débats citoyens. Des débats de consensus citoyen. On l'a fait sur la vache folle, on l'a fait sur le dioxyde de carbone, l'effet de serre. On a pris des panels, comme les étudiants, mais des panels, disons, de personnes dites naïves qui ont été triées par l'IFOP, une quinzaine d'un côté, une quinzaine de l'autre, et on les a mis en présence de médiateurs qui leur ont donné des articles de presse et qui leur ont aidé à se faire une idée par eux-mêmes. Et les débats qu'on a organisés, les scientifiques ne faisaient pas de conférences ex cathedra, ils répondaient aux questions des panels. Et finalement, on s'est aperçu que les gens intègrent sur le risque des données d'ordre émotionnel, familial, héréditaire, tenant compte de leur propre environnement, et que parfois, leur bon sens est meilleur que la vision des scientifiques. La vision des scientifiques, c'est toujours de dire on n'a qu'à leur expliquer. Une fois qu'ils auront compris, ils ne poseront pas des questions idiotes sur le téléphone portable, les lignes à haute tension, la dioxine, que sais-je. Informons-les et tout ira bien. Pas du tout. Les scientifiques voient ça comme la vulgarisation qui descend vers les gens. Moi, nous, on ne voit pas ça comme ça, la Cité des sciences. On voit au contraire, nous, la vulgarisation, c'est plutôt de s'élever vers vous qui avez des idées beaucoup plus multidimensionnelles que nous, pauvres scientifiques.
Ça, c'est mon avis. Bon, eh bien, comme nous n'avons pas l'intention de confisquer le débat, je vais laisser la parole pour une dernière question, parce qu'il est moins 25, on devait s'arrêter à la demi, donc ça sera la dernière question. Oui, bonsoir, Charlotte Léouzon. Je me demandais, vous parliez d'homme augmenté. Est-ce qu'on n'est pas plutôt face aujourd'hui à un homme diminué, Joël de René? Vous n'arrêtez pas effectivement de dire que le bon sens a peut-être plus de vertu que le scientifique, peut-être, qu'on ajoute à l'homme des substrats d'intelligence, des nanosciences dans le corps, etc., alors que il pourrait amplifier sa conscience. Par exemple, aujourd'hui, on pose des électrodes sur le cerveau d'un maître zen qui va méditer et on va être fasciné par ce qui peut se passer dans son mental. Un maître chinois ou zen aussi va pouvoir se réchauffer alors qu'on lui met des couvertures glacées sur le corps. Donc le corps a énormément de possibles, le mental a énormément de possibles et l'homme qui valait 3 milliards qu'on est en train d'inventer, est-ce que c'est pas plutôt un homme qui vaut rien? Et est-ce qu'on ne se leurre pas sur nos impossibilités? On va se rajouter des choses qui vont combler un manque, mais il n'y a pas de manque. On a tout en nous, on a des millions d'années d'évolution en nous. Tout est écrit, tout est là. Il suffit d'apprendre et d'ouvrir. Je suis d'accord avec vous. Je suis franchement d'accord avec vous, à juste une petite nuance près. C'est qu'on a des potentiels extraordinaires dans notre cerveau, dans notre capacité du corps. Regardez le yoga, la méditation, la respiration, la capacité de prévention pour être en meilleure santé, en meilleure forme, ça existe. De rajouter beaucoup de choses, je ne crois pas que ce soit très très bon. On peut revenir au naturel, mais il y a aussi des outils qui nous aident à aller plus loin. L'imprimerie, par exemple. L'imprimerie et d'une certaine manière, l'Internet et les emails, les technologies de la relation sont à la fois avantageuses et désavantageuses. Ils nous rapprochent et ils nous éloignent. Donc, il faut bien tenir compte aussi de cette matrice d'outils pour potentialiser nos énergies, potentialiser ce qui est en nous et pas seulement de ne compter que sur le biologique. C'est de trouver l'arbitrage entre les deux. Étienne ? Moi, je crois qu'on est trompé par la déception que nous avons à l'égard du progrès. C'est-à-dire que le progrès qui s'est déroulé depuis, disons, un siècle est bien plus important que ce que les utopistes avaient imaginé. Au XIXe siècle, personne n'a imaginé qu'on aurait des téléphones portables qui prennent des photos, etc. Donc, c'est allé beaucoup plus loin que ce qu'on avait pu imaginer. Et pourtant, on éprouve le sentiment d'un manque. Et on attend du futur, de la science, de la technologie, que ce manque soit comblé. Sans admettre qu'en fait, comme vous l'avez très bien dit, il n'y a pas de manque. J'ai pas entendu. Et ils en ont peur et en même temps, ils attendent de lui qu'il comble tous les manques qu'ils perçoivent dans le présent. Donc il y a toute cette ambiguïté, on a peur de l'avenir, mais en même temps, on pense qu'il est, d'une certaine façon, le lieu du salut. Donc on a une situation ambivalente, on feint de ne plus aimer le progrès. En tout cas, il est de plus en plus critiqué, il est problématisé, mais on n'est pas pour autant redevenu des Tarzans, c'est-à-dire on ne va pas retourner à la nature brute. On veut bien y aller dans la nature brute, mais avec un téléphone portable, un GPS, un sac à dos d'antibiotiques et 3 anxiolytiques. D'accord ? Mais contrairement à ce qui se passait au XIXe siècle, on ne l'aime plus pour lui-même. On l'aime de façon négative, c'est-à-dire à l'aune de l'effroi que nous inspire l'idée qu'il pourrait s'arrêter. D'accord ? Donc c'est une situation qui est beaucoup moins confortable. Pascal. Moi, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de beaucoup plus d'informations, parce que souvent l'information conduit à une sorte de pollution des cerveaux. On a besoin de plus de sagesse, c'est-à-dire la capacité de donner du sens à sa vie et de rendre pertinent les informations qu'on reçoit. Et les intégrer s'appelle la connaissance et la culture. Or, ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert par bribes, c'est quelque chose qu'on doit intégrer dans la vie quotidienne, dans la relation aux autres. Et je pense que c'est ça l'important, c'est la relation aux autres. Et tous les outils de relation sont aussi des outils qui permettent de mieux connaître l'autre et de mieux se connaître soi-même. Et Pascal, alors ? Oui, vous savez ce qu'on disait tout à l'heure. Merci. Ce qui s'est passé depuis 50 ans, depuis l'après-guerre dans nos pays, ne s'est jamais passé, pour autant que je sache, dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes une génération qui n'a connu ni guerre, ni grande catastrophe sanitaire, ni attaque de virus ou d'agents pathogènes. C'est-à-dire, nous sommes une génération qui n'a,
qui ne connaît pas du tout ce que c'est le malheur. Bien sûr qu'il y a des inégalités sociales, mais... Non, attendez. Bien sûr, mais je veux dire, mais justement, le choc, ça a commencé avec le sida, et aujourd'hui, le vieillissement de la population avec les problèmes liés à Alzheimer, etc. Donc, nous sommes en train de, d'un seul coup, et je rebondis sur ce qu'a dit Étienne, d'un seul coup, nous sommes dit, ah ben, c'est fini. C'est, voilà, c'est ce grand projet des utopies et du progrès, on aperçoit que la biologie, de cette manière, nous trahit. Mais en fait, on ne nous a jamais trahis. Ce qu'on a pu faire grâce à l'espérance de vie, à la qualité de notre vie, j'ai dit tout à l'heure, on a pu gagner en espérance de vie d'une manière extraordinaire. Et là, par rapport à la question de l'harmonie tout à l'heure, c'est important. C'est-à-dire qu'en changeant notre environnement, en améliorant nos conditions d'hygiène, de vie, etc., on a pu exprimer des capacités, des potentialités, pardonnez-moi, des promesses, comme dirait mon ami Cyrulnik, de vie que nous ne pouvons pas soupçonner. C'est-à-dire de bien vivre à 50 ans, 60 ans. Il y a le merveilleux livre qu'a signé Joël Le René avec François Closet et puis ça marche très bien, sur une vie en plus. Et c'est extraordinaire. Regardez ce qui s'est passé quand même. Et puis là, d'un seul coup, on a un petit peu oublié, on a une espèce d'euphorie, n'est-ce pas, que nous restions mortels. Donc, vous voyez le paradoxe, c'était qu'on n'a jamais aussi bien vécu d'une certaine manière, mais avec une forme de mal-être. Parce que c'est pas que la fête est finie, mais c'est que, de toute façon, on ne se fait pas continuer comme cela. Et je crois que c'est ça, la sagesse. Et je vous dirais qu'une seule chose à la fin, c'est ce qu'a dit Joël à l'instant. Vous savez pourquoi on a un gros cerveau ? La seule explication évolutive que l'on a. Un gros cerveau, c'est pas... Bien sûr, c'est pour absorber des milliers d'informations. C'est pour comprendre le monde. Mais surtout, c'est pour interagir avec les autres. Et la sagesse, ça vient de là. C'est-à-dire, ce qu'on fait ce soir ou ailleurs, de prendre du temps et de se rencontrer, de discuter. On a perdu le palabre, on a perdu cette capacité d'échanger dans tous ces domaines où effectivement nous sommes tous, peut-être pas sur un pied d'égalité, je monopolise le micro, je suis face à vous sur une estrade, mais nous sommes tous là. Voilà. Et ça, je crois que ces technologies telles qu'on voit, les anxiolytiques, les pays modernes, ce sont ceux dans lesquels on se suicide le plus. D'où vient cette histoire de mal-être ? Ben, c'est qu'on a peut-être oublié l'essentiel à travers nos technologies et toutes ces facilités. C'est peut-être que, avant tout, être ce que nous sommes des hommes, c'est dans les échanges avec les autres. Et donc, je vous remercie de votre intervention. Bien, ben, ça sera le mot de la fin, parce qu'il paraît être bien choisi. En tout cas, c'est celui que vous avez manifestement élu. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous remercie d'avoir voulu venir partager ce temps avec nous, justement, de palabres et d'échanges. Je remercie Pascal Pic, Joël Le René, Étienne Klein, au nom de la Cité de la Réussite. Merci beaucoup, au revoir.